Bonjour, je m'appelle Anne Delorme. Je suis la directrice du Fonds Agir Ensemble pour l'inclusion à Equitas. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à l'édition 2020 des Equitox, un événement annuel qui est pour la première fois en format virtuel. Le panel d'aujourd'hui, présenté par Equitas, en collaboration avec le réseau Dignité Canada, porte sur les impacts et les défis des défenseuses et défenseurs des droits LGBTQ2I au Canada et dans le monde. Nous avons un programme très chargé, mais très riche. Nous sommes ravis d'accueillir notre invité d'honneur, l'expert indépendant des Nations Unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, Victor Madrigal-Borlos. C'est également l'occasion de lancer le fonds Agir ensemble pour l'inclusion ou AGIRI, financé par le gouvernement canadien, qui a pour objectif de renforcer le respect et la promotion des droits humains et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, bispirituelles et intersexuées, LGBTQ2I. Suite à la présentation de Victor Madrigal-Borlos, nous animerons une discussion avec notre panel d'invités sur les défis et l'important travail que font les défenseuses et les défenseurs des droits LGBTQI, suivi d'une période de questions avec vous, notre public. En guise de mot de la fin, nous souhaitons également rendre hommage à Charlot Jeudy, défenseur des droits des personnes LGBTQI en Haïti, décédé l'an dernier en novembre. Avant de commencer, nous tenons à reconnaître les terres sur lesquelles Equitas est située, qui font partie des territoires autochtones non cédés de la nation Ganyan-Gahaga. Jiongiagi, qui est le nom de la ville de Montréal, signifie l'endroit où les courants se rencontrent, et il est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, les terres abritent une population diversifiée de personnes autochtones et d'autres peuples. Nous respectons les liens continus avec le passé, présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les peuples du Canada. En tant qu'individus diversifiés participant à cet événement, il est important de nous situer, nous et notre lien avec la Terre, et de nous rappeler de l'histoire profonde d'oppression qui est souvent oubliée ou négligée. Bienvenue à vous toutes et tous. Également, avant de commencer, je souhaite partager quelques bonnes pratiques pour ces Equitox virtuels, conformément aux pratiques d'Equitas pour garantir que cet espace reste sûr et inclusif. Les comportements, propos offensants ou discriminatoires ne seront absolument pas tolérés. Nous vous invitons également à indiquer votre nom complet et votre pronom sur votre profil Zoom. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points pour changer votre nom qui est présenté. Aussi, taguez-nous sur @Equitas International sur Twitter et utilisez le mot-clé Equitox sur les médias sociaux pour partager l'événement en direct ou suite à l'événement. Et finalement, je souhaite vous aviser que ce webinaire sera enregistré. Il me fait maintenant plaisir de donner la parole à Michael Arnault, directeur général d'EGID, pour donner le mot d'ouverture de la part du réseau Dignité Canada. Merci. Merci beaucoup, Anne, et merci beaucoup, Equitas. Donc, mon nom est Michael Arnault, j'utilise les pronoms « il » et « lui », et je suis le directeur général d'EGID, qui est membre du réseau Dignité Canada, que je vais aussi représenter aujourd'hui. Donc, nous sommes très honorés aujourd'hui de participer à cet Equitox, et nous vous remercions de nous accueillir à la fois EGID et le réseau Dignité Canada. Donc, pour vous informer un petit peu, EGID, c'est une alliance internationale qui vise à connecter et à rassembler les organisations de la société civile et les activistes qui œuvrent chaque jour à la reconnaissance et au respect des droits des personnes LGBTQ2I dans le monde francophone. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de compter plus de 100 membres, organisations, groupes, collectifs sur tous les continents où le français est présent et pertinent pour la lutte et le soutien.
Nous œuvrons au quotidien avec nos membres pour porter les voix francophones dans les espaces internationaux, soutenir la création de connaissances et d'outils et de mobilisation en français et assurer l'accès à plus de ressources financières. Nous sommes, comme je l'ai dit, un fier membre fondateur du réseau Dignité Canada qui rassemble 40 organisations canadiennes qui aussi soutiennent les droits humains des personnes LGBTQ2I dans le monde. Collectivement, nous travaillons avec des partenaires dans des dizaines de pays à travers le monde, dont beaucoup travaillent dans des environnements très difficiles, dans lesquels les différences sont souvent criminalisées et sous la menace continuelle de violences, de persécutions et de discriminations. Le réseau Dignité s'est donc formé parce que nous sommes convaincus comme groupe que le Canada a un rôle très important à jouer dans ce mouvement mondial en faveur de la reconnaissance des droits humains fondamentaux pour tous et tous, indépendamment de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre et ou des caractéristiques sexuelles. Il en va de même, bien sûr, dans notre travail à Égypte que nous effectuons aussi au travers du réseau Dignité qui est fondé sur nos partenariats et notre solidarité avec nos collègues du monde entier. Nos membres travaillent sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des personnes LGBTQ2I. C'est pourquoi nous sommes vraiment ravis de l'annonce du Fonds Agirie, qui sera une contribution majeure au mouvement mondial pour les droits humains des personnes LGBTQ2I. Et nous espérons que ce fonds participera à pallier les déficits de financement du mouvement mondial et en particulier dans le monde francophone. Alors, nous sommes guidés tous et toutes par des valeurs profondément féministes, antiracistes, intersectionnelles et décoloniales. Et c'est pour ça que nous sommes persuadés que les efforts de solidarité internationale doivent être fondés sur l'écoute active et sur la collaboration honnête avec les organisations et défenseurs locaux des droits humains, qui sont les fers de lance vraiment de cette lutte contre les discriminations et contre les violences. Et on est persuadés que Agirie sera guidée par de tels principes et des activistes internationaux vraiment très dynamiques. C'est dans cet esprit donc, de partenariat et de collaboration que nous, au Réseau Dignité Canada, nous avons vu se développer ce fonds et c'est dans cet esprit que nous espérons travailler en étroite collaboration avec Equitas dans le lancement de ce fonds. Donc, je vous remercie vraiment à tous et à toutes pour votre présence et je suis très impatient d'écouter les interventions de nos panélistes et je passe à présent la parole à Odette McCarthy, qui est la directrice générale d'Equitas. Un grand merci. Merci, Michael. L'équipe d'Equitas est vraiment ravie de se retrouver ici aujourd'hui avec le Réseau Dignité Canada et ses membres et l'honorable Karina Gould, ministre de Développement international, pour ce lancement officiel du Fonds Agir Ensemble pour l'inclusion. Equitas, depuis plus de 50 ans, œuvre à l'avancement de l'égalité, de la justice sociale et du respect de la dignité humaine par des programmes d'éducation aux droits humains transformateurs au Canada et partout dans le monde. Pour Equitas, l'éducation aux droits humains est un processus de transformation qui commence avec l'individu et s'étend à la société dans son ensemble. Et cette approche est au cœur de toutes nos initiatives, incluant le Fonds Agir Ensemble pour l'inclusion. Avec un réseau de plus de 4 000 défenseuses et défenseurs des droits humains à travers le monde, nos programmes à Equitas contribuent à amplifier le voix de ces personnes et des groupes victimes de discrimination, d'exclusion et d'autres formes de violation de droits humains. Nos activités, telles que les Equitas aujourd'hui, créent des espaces de dialogue et d'apprentissage et ainsi permettent des actions concertées pour faire respecter, protéger et défendre les droits humains. En Haïti, dans le cadre du programme Ensemble pour l'égalité, sous le leadership de Courage et avec l'appui d'Equitas, des alliances stratégiques ont été établies avec la société civile, les institutions étatiques et les médias et certains groupes religieux. Et des progrès ont été observés en matière de solidarité citoyenne et d'accès aux services pour les personnes LGBTQ. Je prends un moment pour remercier très chaleureusement notre invité d'honneur, Victor Madrigal-Borlos, les panélistes, l'honorable Karina Gould, Solange Moussayanga, Yannick Bastien Charlebois et Diane Labelle, ainsi que notre modératrice Anne Delorme, pour la participation et la contribution au dialogue important aujourd'hui. Le soutien du secteur corporatif rend ces événements possibles. La Banque TD, Power Corporation du Canada et BGS sont des généreux commanditaires des Equitalks et nous les en sommes très reconnaissants.
Un grand merci pour votre soutien. Et au nom de notre partenaire Réseau Dignité Canada et Équitas, nous remercions le gouvernement du Canada pour le soutien au Fonds Agir Ensemble pour l'inclusion. Sur ce, je vous invite à me rejoindre pour accueillir chaleureusement l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international, qui va lancer officiellement ce fonds pour l'avancement des droits des personnes LGBTQI. Excellent. Ben, bonjour tout le monde et merci Odette pour cet accueil chaleureux. Je suis fière d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter d'un thème qui est proche à mon cœur et de souligner l'importance de votre travail à la défense des personnes LGBTQ2I. Merci à Équitas pour votre travail acharné en matière d'éducation aux droits de la personne depuis tant d'années. Je suis contente de noter la participation du Réseau Dignité Canada. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer son directeur exécutif et plusieurs de ses membres pour discuter du rôle du Canada dans la défense des communautés LGBTQ2I et les conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur ces dernières. Et je m'en voudrais de ne pas saluer l'invité d'honneur de cet événement, Victor Madrigal-Borloz, l'expert indépendant des Nations Unies sur l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Monsieur Madrigal-Borloz, bienvenue. Laissez-moi vous dire à tout présent un gros merci de mon part pour tout le travail important que vous faites au niveau d'activisme, protection et solidarité pour les communautés LGBTQ2I ici au Canada et partout au monde. D'entrée de jeu, je veux mentionner que le gouvernement du Canada a mis les thèmes de l'égalité, de l'inclusion, de la justice sociale et du respect de la dignité humaine au cœur de ses priorités, ses politiques et ses programmes. Il reste du travail à faire chez nous sur ces questions, mais nous avons aussi un rôle à jouer à l'international pour promouvoir et défendre les droits de toutes les personnes. Le gouvernement du Canada plaide pour la protection et la promotion des droits des personnes LGBTQ2I du monde entier. Il faut renforcer le respect, la protection et la réalisation des droits de celles-ci et améliorer leurs conditions socio-économiques, surtout à l'heure actuelle, puisque la pandémie continue d'avoir une grande incidence sur elles. Plusieurs font face à une dégradation de leurs droits et de leur dignité, et sont moins en mesure d'accéder à des structures de soutien. Conformément à l'approche féministe de l'aide internationale du Canada, nos efforts sont fondés sur les droits de la personne. Nous devons améliorer nos politiques et nos programmes, prenant en compte les plus marginalisés et vulnérables. C'est dans cette optique que le Canada a annoncé ce programme d'aide internationale pour les personnes LGBTQ2I en février 2019. Notre financement a grimpé d'environ 9 millions de dollars pour les années 2015 à 2018 à 30 millions de dollars pour les années 2019 à 2024 et de 10 millions de dollars annuellement par la suite. Ce dernier engagement soutient les efforts des partenaires et des mouvements travaillant avec les communautés LGBTQ2I dans les pays en développement. Pour assurer son succès, il est essentiel de renforcer les capacités des organisations canadiennes et locales. Il me fait donc plaisir d'annoncer la mise sur pied d'une composante clé de ce programme. Il s'agit du fonds AGIRI, abréviation pour Agir Ensemble pour l'inclusion. Le fonds AGIRI est une initiative de 16,7 millions de dollars sur 7 ans, dont 10,3 millions de dollars iront directement aux organisations canadiennes pour appuyer des projets répondant aux besoins des populations LGBTQ2I dans des pays en développement. Les fonds restants seront utilisés pour la sensibilisation et le renforcement des capacités des organisations canadiennes, le partage des connaissances entre les organisations canadiennes et locales, le plaidoyer et la mobilisation, ainsi que la gestion du fonds. Le fonds adoptera une approche fondée sur les droits de la personne, examinant les conséquences de l'interrelation entre les inégalités sur les personnes dont les caractéristiques sociales diffèrent. Ainsi, les plus marginalisées des communautés LGBTQ2I ne seront pas laissées pour compte. Nous sommes fiers de soutenir le fonds AGIRI.
Il apportera des changements transformateurs qui rendront les sociétés plus égales, prospères et pacifiques par l'entremise du respect des droits et de la dignité de chacun. Je suis maintenant prête pour avoir une bonne discussion avec vous tous et toutes. Et encore une fois, merci de l'invitation. Merci, Madame la ministre, d'être avec nous aujourd'hui et pour l'important soutien du gouvernement canadien pour avancer le respect et la défense des droits des personnes LGBTQI dans le monde. Je voulais juste noter également que la traduction est maintenant disponible ainsi que les sous-titres. On est désolé pour le délai, mais c'est maintenant, les liens fonctionnent maintenant. Il est nécessaire de souligner l'importance du thème d'aujourd'hui. Partout à travers le monde, des personnes font face à des violations de droits humains en raison de leur orientation sexuelle et leur identité ou expression de genre. Notre objectif dans ce panel est de sensibiliser le public aux impacts et défis des défenseuses et défenseurs des droits des personnes LGBTQ2ISI, mais aussi de reconnaître leur courage, leur dynamisme et leur résilience. Nous souhaitons également favoriser la solidarité et d'ouvrir un dialogue sur les liens entre les mouvements LGBTQI au Canada et dans les pays du Sud. C'est maintenant mon grand honneur de vous présenter Victor Madrigal-Borlos pour la présentation principale du panel. Merci. Alors, Victor. Bonjour. Voilà, je vous invite. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes. J'espère bien, Anne, que vous arrivez à me voir et à m'entendre bien. Parfaitement. Bonjour merci. À toutes. Je voudrais vous remercier toutes de m'avoir invité ici aujourd'hui à participer à ce dialogue très important. C'est vraiment un grand honneur d'être parmi vous toutes aujourd'hui, et merci à Anne, Michel, Odette pour votre accompagnement déjà des derniers jours. Et merci, Madame la ministre Gould, pour votre très aimable mot. Chers amis, la pandémie nous a volé beaucoup de choses. La vie de plus d'un million de nos frères et sœurs, la santé de plusieurs millions d'autres, le gagne-pain pour ce qui est peut-être des centaines de millions. Et en vrai, aucune vie n'a pas été épargnée. La pandémie nous a aussi privés de la possibilité d'être ensemble, de sentir le regard et le sourire des uns et unes et des autres. Mais j'espère que ce qui a été conçu à l'origine comme une visite promotionnelle d'une semaine au Canada se produira physiquement dans un proche avenir. En attendant, chers amis, le travail n'attend pas, parce que le besoin des victimes des violations des droits de l'homme n'attend pas. Et je suis, en conséquence, ravi que la technologie nous permette néanmoins d'être ensemble. En particulier, je voudrais remercier et chaleureusement Equitas, pas seulement pour son invitation générale, mais aussi que l'invitation soit coïncidente lors du lancement de ce fonds essentiel dans le monde d'aujourd'hui et dans le cadre des défis fondamentaux que font face aux organisations que défendent les droits humains des personnes LGBT et genres diverses. C'est un véritable plaisir de travailler avec vous et de trouver tant de terrains d'entente dans nos missions. Je suis également ravi de travailler aux côtés de Dignity Network Canada et de tant d'autres organisations de la société civile et défenseurs des droits de la personne que j'aurai l'occasion de rencontrer ces jours-ci, ainsi que les représentants de l'État canadien qui ont été si favorables au mandat, à mon mandat le premier jour et avec lesquels j'ai hâte d'avoir des discussions ces jours prochains. Tout au long de cette conférence, je pense qu'on peut considérer quelques questions quand on réfléchit au travail de nos organisations et nos mandats. Où sont nos lacunes organisationnelles?
où sont nos intersections manquantes et quelles collectivités pourraient également être des intervenants et des alliés dans le cadre de nos mandats. Mon intervention va être cadrée autour de ces questions et j'espère que d'ici à la fin de mon exposé, on pourra réfléchir ensemble à ces concepts et questions d'une manière nouvelle et peut-être puissante. Pour moi, le mouvement visant à éradiquer la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre a beaucoup à apprendre de l'approche canadienne en matière de défense des droits de la personne. Depuis que je suis devenu expert indépendant en 2018, l'état d'esprit suivant a été toujours ma prérogative absolue. Je prends en considération la façon dont chaque action du mandat interagit avec le contexte réel, politique et sociologique local et ne suppose jamais qu'une solution ou une intervention s'adapte de façon formulaïque à toutes les communautés LGBT du monde. En fait, la nature intersectionnelle des différents mouvements de défense des droits humains exige de moi l'examen constant des mécanismes causaux sous-jacents de la violence et la discrimination. J'ai essayé dans mon mandat de pratiquer ce que je prêche et je priorise l'étude des sujets comme le colonialisme, l'idéologie de genre et la religion dans mon programme de recherche pluriannuel qui va se développer d'ici à 2023, la fin de mon mandat comme expert indépendant. Ce programme va se refléter dans mon rapport semestriel au Conseil des droits de l'homme, au Conseil des droits humains des Nations Unies et à l'Assemblée générale, qui sont accessibles au public et qui, je l'espère, constitueront un point de départ que les militants locaux vont utiliser comme une pièce de travail lorsqu'elles vont plaidoir en faveur d'interventions politiques auprès de leurs gouvernements locaux et nationaux. En même temps, venant du Costa Rica, le travail de mon mandat sera toujours centré autour des voies du Sud mondial, et en particulier mon pays d'origine et ma région d'origine. Je suis particulièrement inspiré par le travail et les moyens de subsistance des activistes trans latino-américains comme Loana Erkins en Argentine, qui a courageusement mené son travail de plaidoyer sur un continent où l'espérance de vie moyenne d'une femme trans n'est que de 35 ans. Je garde ces faits dans ma tête et le souvenir d'où je viens inspire mon travail au quotidien tout au long de mon travail comme expert indépendant. Je voudrais centrer aussi mes remarques d'aujourd'hui autour de mon approche vers la réalisation de l'éradication de la violence et la discrimination à l'égard des personnes LGBT et genre diverses, en incluant évidemment les personnes bispiritaires et les personnes queer. Et puisque nous sommes une audience, une constitution de dirigeants d'ONG, gestionnaires de programmes, bailleurs de fonds, militants, entrepreneurs et partenaires gouvernementaux, je vais peut-être vous partager dans un langage mutuel avec point de départ dans la question de les données. Comme nous le savons, dans le donné se trouve le pouvoir. Les données et la recherche sont au cœur du travail de mon mandat et j'espère d'une partie de votre travail aussi. Elles nous permettent d'aller dans les États membres de l'ONU et de fournir des recommandations
empiriquement soutenu sur la meilleure façon d'assurer la protection de leurs citoyens et leurs citoyennes. Pour les étudiants des données dans la foule d'aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur certains des rapports thématiques que j'ai soumis à l'Assemblée générale et au Conseil des droits de la personne, y compris des rapports spécifiques sur les meilleures pratiques de surveillance et d'évaluation des droits humains et les meilleures pratiques de collecte de données sur les populations LGBT et genres diverses et les interventions de politiques publiques à cet égard. Si je peux le suggérer de cette manière, ces rapports font une lecture à la fin de cette conférence, peut-être. Bien que je loue souvent l'importance de données et l'utilisation d'arguments politiques strictement soutenus dans l'évidence et les données, je comprends que le fait de s'appuyer uniquement sur cette base pour présenter des arguments en faveur des droits humains est problématique. Nous devons aussi faire confiance que les données fourniront peut-être la conclusion que nous cherchons ou une justification pour une intervention politique, et nous savons qu'elles ne sont pas une fin en soi-même, mais un moyen pour que les États mettent en œuvre des mesures pour éradiquer la violence et la discrimination. Au bout de compte, la bonne chose à faire est la bonne chose à faire. Les données peuvent être utilisées pour tirer des conclusions dans n'importe quel nombre de directions, et c'est par cette raison que nous devons également utiliser comme l'un des nombres utiles de notre boîte à outils pour plaider en faveur d'une plus grande protection des droits des personnes LGBT. Je donne également une priorité à la reconnaissance et à la réponse aux événements actuels et aux grandes tendances mondiales. C'est par ça que j'ai structuré mon programme de recherche pour répondre à un nombre de défis que je considère comme émergents dans le paysage mondial et qui menacent certainement la protection des droits des personnes LGBT. Je trouve dans ce contexte qu'il y a trois grands enjeux dans ce paysage mondial auxquels je voudrais attirer votre attention. La première, c'est le grand agenda de dépénalisation du statut LGBT et genre divers autour du monde. Deuxièmement, la montée de la politisation de ce qu'on appelle dans certains contextes comme l'idéologie de genre et son utilisation par le populisme de droite dans beaucoup de contextes autour du monde. Et troisièmement, la menace potentielle de ce que j'appelle la spaghettification parmi et au sein du mouvement des droits LGBT. Tous ces défis exigent que nous considérions non seulement les contextes uniques dans lesquels notre travail se déroule, mais également des gouvernements et de la société civile une conscience profonde des défis et des solutions et des approches que peuvent changer dans son approche d'un pays à l'autre pour effectivement pouvoir travailler des réponses qui viennent d'une connaissance profonde du contexte. Permettez-moi rapidement de passer à ces défis dans ce moment. La première question dans mon mandat de travail d'une façon continue, la question de la décriminalisation, l'agenda de décriminalisation de les statuts des actes LGBT. Vous le savez, j'imagine qu'à ce moment, il y a 2000 millions de personnes qui habitent dans des contextes de criminalisation. 69
membres des Nations Unies mettent d'une façon ou d'une autre la criminalisation de l'existence ou des actes liés à l'existence des personnes LGBT. Des mouvements efficaces de décriminalisation se sont manifestés de plusieurs façons à travers le monde, ou bien l'activisme judiciaire, l'abrogation parlementaire ou des mesures de politique publique. Et je salue toutes ces avancées fantastiques et que j'espère vont être au cœur de l'appui de fonds tels que la Fonds Agir Ensemble. Mais en réalité, il y a beaucoup à faire. Ces 2 000 millions de personnes continuent à attendre l'action décidée de la communauté internationale qu'agisse en écoutant ce que les activistes que travaillent sur le terrain ont à leur dire et à leur apprendre sur la manière dont cette action va pouvoir se mener. Trois principes fondamentaux, chers amis, en ce qui concerne la décriminalisation. Premièrement, elle doit suivre la guide des activistes qui travaillent sur le terrain et comprennent mieux quels sont les principes qui doivent guider toute action. Deuxièmement, elle doit être guidée par une pensée de coalition internationale. C'est un agenda qui ne va pas pouvoir être mené par un seul acteur à niveau international. Et troisièmement, elle doit être menée aussi par l'activisme local en ce qui concerne le choix de si c'est une action que doit être menée au judiciaire, au parlementaire ou par le domaine de la politique publique. Je maintiens mon mandat en écoute constante, en écoute active en ce qui concerne la guide des activistes locaux pour assurer de comprendre qu'est-ce qui va fondamentalement fonctionner mieux dans chaque contexte pour assurer cet agenda fondamental. Et comme vous le savez, chers amis, moi j'ai fait un appel pour un monde libre de criminalisation, de pénalisation pour les vies LGBT et genres divers pour l'année 2030. Parce que, et ça, mon message évidemment à tous les gouvernements autour du monde, parce que je ne pense pas qu'on puisse concevoir la consécution des objectifs de développement durable sans un monde libre de criminalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons par lesquelles on verra ces objectifs, une consécution simultanée de ces objectifs. Chers amis, le deuxième défi que j'ai identifié dans le paysage mondial est cette force croissante d'une opposition violente, virulente à la théorie de genre comme explication de la violence et discrimination. Beaucoup de contextes où on parle maintenant de l'idéologie de genre, un terme péjoratif utilisé par les responsables généralement d'extrême droite dans certaines juridictions pour contester les conclusions de longue date, à savoir que le genre fonctionne sur un spectre et un parti auto-performatif et n'est pas nécessairement binaire. En cherchant, chers amis, à délégitimer la vie et les corps de personnes trans et de genre non binaire, ces personnes tentent d'abord à délégitimer la science même, les théories mêmes qui soutiennent leur propre vérité et existence. Partout dans le monde, l'étude de la théorie de genre est aujourd'hui attaquée. Certains gouvernements et théories arrivent même à interdire aux étudiants d'apprendre la théorie de genre au secondaire ou à interdire l'utilisation de termes dans les instruments internationaux des droits de la personne. Je trouve ça énormément dangereux.
Je le trouve dangereux en général pour assurer les droits sexuels reproductifs, mais je le trouve dans l'immédiat dangereux pour l'existence même des personnes trans ou genre diverses, parce que je trouve qu'il y a un danger essentiel qu'elles vont être les premières victimes de cette discours de haine, véritable discours de haine, que vise à contrôler l'existence même des personnes dans une structure binaire, rigide et patriarcale, à laquelle je pense qu'on doit faire une attention fondamentale. Et chers amis, ce discours est présent partout et est dans ce moment guidant des grands discours politiques partout au monde. Il n'y a aucune région, aucune, dans laquelle je ne le vois pas présent à ce moment. Finalement, le troisième et dernier sujet que je voudrais aborder avec vous toutes aujourd'hui, c'est le concept de spaghettification. Un phénomène que je crains que la communauté LGBT et genre diverse est à risque et doit être l'objet d'une attention consciente des parties prenantes de la société civile, les bailleurs de fonds et de militantes comme nous toutes aujourd'hui dans cette conversation. Le scientifique Steve Hawking a proposé pour la première fois ce concept de spaghettification en 1988. L'idée que lorsque une particule pénètre dans un trou noir, toutes ces parties sont infiniment accélérées au même temps. Cette accélération simultanée crée un étirement de la particule dans une sorte de nouille ou de spaghetti. Au cours de cette accélération, certaines parties de la particule sont catapultées beaucoup plus loin, tandis que d'autres parties sont lésées infiniment derrière, certaines même au point de départ du trou noir. L'étirement de certaines parties donne ainsi l'illusion d'un progrès rapide de l'unité dans son ensemble, malgré le fait que seule une partie de la particule a vraiment avancé. C'est bien sûr, chers amis, ce que je vous parle, c'est ma propre version de Hawking pour les nuls comme moi, dans un terme scientifique. Mais au cours des deux dernières années, je me suis retrouvé à évoquer ce concept en essayant de trouver une métaphore visuelle pour le mouvement LGBT, ou vraiment les mouvements LGBT dans lesquels nous travaillons. Au cours des quatre dernières décennies, les droits de certains membres de notre communauté, en particulier les hommes gays, cisgenres et ceux du Nord global, ont été infiniment accélérés, tandis que des autres membres de nos communautés, en particulier les personnes transgenres et les personnes de couleur, ainsi que les personnes LGBT de couleur en général, ont été trop souvent laissés de côté des progrès et même des conversations de notre mouvement. Et mes amis, l'immense diversité de la communauté LGBT doit être considérée comme un atout et non seulement comme un facteur de complication ou d'entrave. Et c'est par ça que j'utilise cette métaphore pour assurer qu'on ait toujours conscience de quels sont les éléments de nos communautés qui ont été problèmes infiniment en face et ceux qui risquent d'être laissés en arrière. Chers amis, on a beaucoup à parler. Je tiens à penser que cette conversation commence aujourd'hui et continuera pendant des jours lors de cet événement virtuel au Canada. Il me reste seulement de vous remercier de votre très gentille attention
et de me réjouir de la conversation qu'on va mener à partir de ce moment. Merci beaucoup. Merci Victor pour cette présentation sur les défis, mais également les tendances émergentes qui contribuent à une meilleure inclusion sociale. Et je crois que pour plusieurs d'entre nous, un nouveau concept, la spaghettification, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais, mais c'est un tout nouveau concept très intéressant. J'espère qu'on va pouvoir en parler un peu plus. J'aimerais maintenant inviter nos panélistes à ouvrir leur caméra pour une discussion. Il me fait plaisir de présenter Diane Labelle, spécialiste et chercheure sur les enjeux de l'éducation chez les Autochtones ainsi que les identités LGBTQ et Two-Spirit ou bispirituelles. Solange Musang-Gagna, co-coordinatrice de Queer African Youth Network du Burkina Faso. Yannick Bastien-Charlebois, professeur de sociologie à l'UQAM. Et de réinviter nos invités d'honneur, Victor Madrigal-Borloz et l'honorable Karina Gould. Merci. Donc, pour la première question, comme je vous l'avais mentionné, on va commencer par quelques questions en panel, une petite discussion, pour ensuite prendre des questions du public. Pour Solange, Diane et Yannick, le discours de Victor a souligné plusieurs défis, dont la pandémie COVID et l'émergence de ces mouvements d'exclusion, de haine et anti-LGBTQI de l'extrême droite. Avez-vous observé l'impact de ces tendances sur votre travail et le travail des défenseuses et défenseurs des droits LGBTQI? Donc, pour Solange en premier, ensuite Diane et Yannick. Merci de m'avoir invité. Je suis vraiment honorée d'être ici, de parler avec des personnes comme Victor, que je connais très bien, comme l'honorable. C'est vraiment un plaisir. Oui, effectivement, le discours de Victor, c'est un discours qui résonne énormément sur le travail qu'on a eu à faire. Par exemple, on a remarqué que pendant la COVID-19, même maintenant, qu'on vit d'ailleurs encore, c'est vrai qu'en Afrique, par exemple, où je suis actuellement au Burkina Faso, on n'a pas vu, il n'y a pas eu autant, par exemple, de pertes en termes de vie par rapport à l'Occident ou ailleurs. Mais cela ne veut pas dire que les personnes n'ont pas été touchées d'une façon particulière parce que, par exemple, quand on parle de confinement dans un endroit où c'est impossible même d'imaginer un confinement dans des espaces où il y a une grande population ou un petit espace, il y a plusieurs personnes qui partagent ça, il n'y a pas moyen de vraiment de vivre cette forme de distanciation qui est parlée de un peu partout. Et aussi, malheureusement, encore une fois, Victor en a parlé tout à l'heure en parlant de l'instrumentalisation en fait des personnes LGBTQI dans certains discours du genre contre le genre. On a vu certaines communautés pointer des doigts les communautés LGBTQI en disant que c'est une fatalité, c'est Dieu qui est en train de punir le monde à cause des personnes LGBTQI. Oui, malheureusement, on a entendu ce genre de choses. Et du coup, les personnes désignées étaient exclues ou étaient encore obligées de se cacher, de ne pas être visibles. Heureusement vraiment aussi, pour ne pas que parler du négatif, on a vu des points très positifs, par exemple, un certain élan de solidarité, autant au niveau local, national, qu'aussi international. Certains bailleurs de fonds qui ont été un peu plus compréhensifs en rendant, par exemple, leurs dons qui étaient de façon rigide au départ sous forme de projets, se sont devenus beaucoup plus flexibles. Mais aussi au niveau local, on a vu vraiment des personnes LGBTQI s'entraider elles-mêmes, des gens utilisant des privilèges personnels ou organisationnels qu'elles avaient pour pouvoir distribuer un peu le pouvoir en termes de kits alimentaires, de kits sanitaires. Ça, on en a vu et ça faisait chaud au cœur de voir que même justement dans ces moments difficiles, il y avait cet élan de solidarité pendant cette période-là. Il y a plusieurs choses à dire, mais je pense que je vais laisser la parole aux autres panélistes. Donc, Diane. Alors, du côté des personnes autochtones, c'est certain que, alors pour nous, les personnes bispirituelles, le two-spirit, alors on parle toujours de notre identité autochtone avant de parler de notre identité de genre ou d'orientation sexuelle.
Parce que le fait, c'est qu'on vit notre vie comme personne autochtone au Canada qui apporte avec cette identité plusieurs enjeux. Certainement, vous êtes au courant de la situation de Mme Joyce Echaquan, dans laquelle maintenant on parle plus ouvertement du racisme systémique. On en parle, c'est pas nécessairement parlé au niveau du gouvernement, puisqu'on refuse de voir que l'existence de ce racisme est vraiment entrelacée dans le système colonialiste dans lequel on vit présentement. Avec la pandémie, certainement plusieurs individus qui habitaient dans les centres urbains ont tenté de retourner dans leur communauté avant que les communautés ont fermé leurs portes. Pour nous, c'est important de se renfermer parce qu'on habite dans des maisons multigénérationnelles et ça fait partie de notre quotidien. Alors, la pandémie risque vraiment d'atteindre nos aînés. Alors, ceux qui maintiennent contact avec la culture, les traditions et la langue. Alors, pour nous, c'est vraiment une inquiétude primordial d'être capable de protéger nos communautés. Mais le fait, c'est aussi que ça nous amène à un isolement encore plus dangereux, surtout pour la communauté LGBTQ2I, parce qu'on ne peut pas assumer qu'il y a contact même avec la technologie, parce que chez nous, la technologie n'existe pas nécessairement comme ça l'est à l'extérieur. Il y a des différences très importantes des services qui sont disponibles dans nos communautés. Alors, ça veut dire que nous avons un isolement encore plus profond. On s'attend beaucoup dans la prochaine année à une augmentation dans les taux de suicide, dans lequel on sait qu'il nous atteint comme les jeunes et les jeunes adultes de nos communautés qui sont découragées, mais aussi pour ceux qui sont de la communauté LGBTQ2I ou Two-Spirit. En habitant chez nos familles, c'est certain qu'on n'a pas nécessairement accès à l'Internet ou qu'il n'y a pas même un lieu privé dans la maison qui nous permet de se brancher si on a accès à l'Internet. Alors, on vit vraiment beaucoup plus en isolement et en cachette. Le fait qu'on n'a pas la liberté non plus de voyager ne nous permet pas d'entrer dans les communautés pour faire des formations et des interventions, ainsi que d'encourager les jeunes de sortir de leur communauté pour venir dans un lieu plus sécur pour faire du travail important. Alors, ça nous mène à une période de questionnement, c'est certain, comment est-ce qu'on procède dans les communautés où ce sont les réalités qui nous touchent quotidiennement. Alors, ça fait partie des enjeux qu'on vit présentement et qu'on va continuer à vivre malheureusement pendant que cette pandémie continue. C'est vraiment décourageant des fois de voir ce qui se passe et puis de se sentir mal outillé même pour être capable de parler, de discuter avec les gens avec qui on veut vraiment, avec les gens auxquels on veut vraiment s'approcher et parler et ouvrir aussi les bras ouverts. Alors, c'est même pas disponible du côté de technologie, alors c'est du travail. C'est un important défi, en effet. Jannick, un dernier mot sur cette question également? Oui, alors merci beaucoup de nous recevoir encore une fois. Merci à la ministre Karina Gold. Merci Victor Madrigal-Borlos et Equitax. C'est une occasion de rendre visibles les enjeux propres aux personnes intersexes. Alors, de notre côté, pour ce qui est des effets de la COVID, c'est difficile de les cerner.
puisqu'on est toujours en attente là, d'obtention de résultats. Enfin, au sein de la communauté internationale, on a mis sur pied un sondage qu'on est en train de distribuer. Mais on soupçonne qu'il y a des effets sur l'accès aux médicaments, puis également beaucoup de personnes intersexes ont un rapport compliqué avec la médecine, les médecins donc sont en rapport de méfiance avec les médecins et donc pourraient ne pas consulter quand un besoin se présente. Du côté de la droite, alors c'est un peu particulier parce que il commence à y avoir dans le discours de la droite l'évocation des personnes intersexes, mais c'est surtout en réaction au fait que les corps des personnes intersexes vont être mobilisés dans des débats, notamment de la part de personnes trans ou gays, lesbiennes, bisexuelles ou pan, ou du côté de féministes. Et c'est à ça que les gens de droite réagissent. Leur réaction, par contre, ou leurs efforts ne vont pas être... disons, ils n'ont pas mobilisé beaucoup d'efforts contre nous politiquement. Le paradoxe en ce qui nous concerne, c'est que... il y a une bonne partie de leur argumentaire qui s'appuie sur la perspective médicale, donc de pathologisation des corps intersexes et la violence que les personnes intersexes subissent encore, c'est très délicat à nommer, mais elle provient de professionnels médicaux investis dans la prise en charge intersexe, donc qui sont peut-être pas mal intentionnés ou enfin qui veulent pas nécessairement mal faire, mais qui persistent. Et qui sont très résistants à une approche des droits humains, donc qui estiment qu'ils ne devraient pas soumettre leur pratique à la logique des droits humains, et qui persistent dans l'idée que les corps des personnes intersexes sont pathologiques, qui entretiennent toujours cette idée de destinée hétérosexuelle, c'est-à-dire qu'il y a cette présomption que tout corps, tout être humain qui naît a une destinée hétérosexuelle, et donc par conséquent, on doit apporter des modifications ou des corrections à un corps qui ne pourrait pas se prêter à une future relation hétérosexuelle. Nos efforts, pour le moment, nos inquiétudes sont encore plus situées au niveau des pratiques médicales, autant plus que c'est très difficile de les remettre en question, étant donné toute la crédibilité dont jouisse le corps médical. Mais éventuellement, il est possible que les mobilisations de droite finissent par aussi devenir lourdes. Voilà, c'est le contexte intersexe. Merci. Merci. Puis d'ailleurs, ça nous rapproche aussi à la prochaine question, parce qu'avec vos réponses, on commence à comprendre les différences entre les divers groupes qui composent la communauté LGBTQ2I et comment ces groupes sont confrontés à différentes formes de discrimination. Donc, comment la société civile et les gouvernements peuvent-ils mieux collaborer pour s'assurer que leurs programmes et pratiques tiennent compte de cette diversité au sein des communautés LGBTQ2I? Puis pour cette question, j'inviterai Madame la ministre à y répondre en premier. Merci beaucoup, Anne, et merci à mes copanélistes pour cette discussion. J'ai écouté avec intérêt, mais aussi avec préoccupation, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui nous faisons face encore. Et bien sûr, une chose que pour moi, c'est vraiment important, c'est que les gouvernements, en travaillant avec la société civile, en travaillant avec les partenaires sur le terrain, prendre une approche basée sur l'intersectionnalité parce que, comme tout le monde a souligné, il y a des différents niveaux et expériences de discrimination basées sur votre genre, votre sexe, votre orientation sexuelle et aussi votre race et d'autres facteurs qui sont physiques et aussi historiques et culturels qui impactent des gens différents. Alors, une des choses des plus importantes pour nous comme gouvernement de répondre et vraiment à travailler en solidarité avec tous les gens du communauté LGBTQ2I, pardon, c'est difficile pour moi en français de le dire,
Mais c'est de vous écouter et de vous demander c'est quoi vos expériences et de travailler et vraiment d'être mené par les gens sur le terrain. Je crois que Victor, dans ses remarques, a nous donné une bon plan à suivre. C'est vraiment d'être mené par les activistes, par les gens qui travaillent sur le terrain et de les écouter et d'avoir comme base de notre compréhension que tout le monde a des expériences différentes. Alors, ce n'est pas de répondre, d'avoir la même réponse, soit avec les personnes ici au Canada, même dans les différentes provinces, même dans les différents contextes, que les gens qui sont ailleurs au monde. Et l'expérience d'une femme trans en Amérique du Sud va être différente d'une femme trans en Afrique et même d'une homme gay dans l'Asie du Sud que quelqu'un aux Caraïbes. Et on ne doit pas prendre la même manière de penser en comment nous faisons des réponses. Et pour moi, ça commence avec la construction des relations, de travailler avec la société civile locale, de les écouter et de suivre leur exemple et d'assurer que nous vraiment faisons ce travail difficile de travailler avec eux, de les écouter et de les suivre. Merci, Madame la ministre. Et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord et c'est un des principes au cœur du nouveau fonds Agiri. Mais ça nous amène aussi à la prochaine question. Sur comment nous pouvons renforcer cette solidarité entre les mouvements et les défenseurs des droits humains LGBTQ du Nord et du Sud, tout en reconnaissant les rapports qui le composent entre le Nord et le Sud, et tout en maintenant ce principe que vous avez souligné, que l'importance d'être mené par les communautés et les activistes locaux. Donc, j'inviterai à Solange, ensuite Diane et Yannick de répondre à la troisième question. Ah, merci beaucoup. Merci la ministre. J'ai bien aimé ce que Mme Gould vient de dire en parlant de donner un peu plus de pouvoir aux organisations locales, aux activistes locaux. Et ça, c'est très important. Je pense que c'est ça qui manque souvent. Il y a une certaine... C'est vrai, des fois, quand on est au Canada, des choses se disent bien, mais quand on arrive, malheureusement, dans le Sud, on se rend compte que c'est complètement différent. Par exemple, moi, en tant que femme trans, qui vit actuellement en Afrique, des fois, on se demande qu'est-ce que même l'ambassade fait. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des fonds dans lesquels nous pouvons appliquer là-dedans, personnellement, en tant qu'organisation? Il y a 20 ans, les organisations LGBTQI ont commencé à émerger en Afrique. Parce qu'il faut dire qu'à les années, à la fin 90, il n'y en avait presque pas. Mais maintenant, dans tous les pays, par exemple d'Afrique, dans l'Afrique francophone, dans tous les pays, il y a les différentes organisations LGBTQI. Et la question, c'est... en fait, ce n'est pas la question. Les efforts actuels, c'est le renforcement de ces mouvements. Parce que souvent, il faut se poser la question aussi, qu'est-ce que c'est les activistes de ces mouvements? C'est des personnes qui ont toute une histoire de rejet, une histoire de discrimination, et qui, à un moment donné, en ont ce qu'on appelle le ras-le-bol, et se mettent à s'organiser. Sauf que ces personnes ont perdu la scolarité, ils ont été mis de côté par leur famille, par leur société, donc ils n'ont pas pu finir l'université ou l'école secondaire. Donc, elles commencent les organisations sans avoir tous les outils nécessaires. Ça, c'est quelque chose que le Canada peut faire, outiller les activistes locaux. Du coup, une fois que ces activistes sont outillés, là, on peut commencer à parler d'un agenda politique pour pouvoir amener à un changement quelconque. Et cet outillage, souvent, ça manque. On voit les gens comme l'ancien président américain qui arrive au Sénégal et qui demande « Qu'est-ce que vous faites aux gays et lesbiennes de ce pays ?» Mais quelle personne du Sénégal a demandé à ce président d'aller faire le plaidoyer pour eux? Personne. Il n'y a même eu jamais de discours ou de conversation entre ce président et les organisations locales. Et du coup, en voulant faire des choses par le Canada, même si un jour un pays décriminalise, c'est parce que les bailleurs de fonds, parce que les colons, les anciens colons, ont dit « nous faisons », alors que le travail est en train de faire d'une façon locale.
C'est pour ça que QUIN, Queer African Youth Network, l'organisation que je co-coordonne, le plan stratégique qu'on a de 5 ans actuellement, c'est sur le renforcement des capacités, c'est sur les renforcements organisationnels. Parce que c'est ça qui va renforcer ces personnes, ces leaders, pour pouvoir comprendre c'est quoi les organisations, c'est quoi qui doit être mis sur place pour pouvoir avancer. Et c'est là on attend là, le pays comme le Canada. Parce que jusqu'à date, quand on va dans les ambassades, malheureusement, le discours ne passe pas. Qui dit ambassade, par exemple, ou toutes ces agences canadiennes qui sont ici dans le sud, on se rend compte que c'est quoi, 80%, c'est les locaux qui travaillent dans ces ambassades et qui souvent ne comprennent pas, ne connaissent pas la réalité des personnes LGBTQI. Si déjà on est discriminé dans vos ambassades, imaginez ce qui se passe un peu partout ailleurs. Donc, cette question reste, elle est là, c'est comment renforcer les capacités des acteurs et des actrices locaux. Et en tant que femme trans, féministe, je suis extrêmement sensible à cette réalité et je pense que c'est ça qu'il faut faire pour enfin que nous-mêmes, activistes locaux, nous puissions ramener la chose plus loin, à éduquer nos politiciens pour que ces politiciens, ces gouvernements, ces lois puissent nous protéger à notre niveau. Donc, c'est vraiment de nous vers là. Du coup, le Canada doit venir aider, soutenir notre travail. Nous n'attendons pas la protection du Canada, nous attendons de nous soutenir. Pas nous protéger, il n'est pas l'arbitre. Les arbitres, c'est nos gouvernements, mais on a besoin d'un soutien de ce gouvernement. Justement, là, on peut se rendre, sentir que... Merci beaucoup. Merci, c'est parfait. Le son a coupé un peu juste à la toute fin, fait qu'on a, on a tout compris. Ce que je voulais rajouter, je voulais permettre aussi à Diane et à Jannick de répondre aussi à cette question sur la solidarité entre les mouvements et les défenseurs des droits humains et de bâtir sur l'important message de Solange, l'importance d'outiller et d'écouter et d'être menée encore une fois par les activistes locaux et de ne pas imposer. Donc Diane, ensuite Jannick. Alors pour continuer avec ce que Solange disait, c'est que ça demande, je pense qu'aux organisations et aux agents gouvernementaux pour de prendre au sérieux le besoin de revoir nos pratiques, de revoir nos missions et de se décoloniser. Alors, commencer à décoloniser les pratiques qu'on a. Ils sont tellement pris dans le tissu de notre fonctionnement qu'on oublie, on ne voit pas alors les effets de la colonisation sur notre approche et surtout sur nos pratiques. Le but de décoloniser serait au moins de s'ouvrir à la sensibilisation des différences des nations, pour nous aussi les nations des autochtones, qu'on n'est pas tous mis dans le même bateau, qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux et qu'on n'a pas toutes la même façon de faire et de procéder et d'avoir les mêmes buts en tête. Alors, en se décolonisant, ce que ça amène, alors c'est un respect pour le fonctionnement local, la culture ainsi que la façon de faire, les protocoles surtout qui devraient être utilisés pour le travail fait dans ces communautés. Merci, Jannick. Merci. Alors, je vais faire écho à Solange et Diane, enfin, ce qui a été déjà dit sur toute l'importance d'être à l'écoute des activistes de terrain. Pour les personnes intersexes, ce par quoi ça va se traduire, en premier lieu, ça va être de comprendre que notre enjeu n'est pas un de genre, mais un d'autodétermination du corps. Et en comprenant ça, mais ça permet de mieux saisir quels sont les objectifs politiques des personnes intersexes et de soutenir les bons objectifs politiques, dans la mesure où, par exemple, pour nous, c'est les arrêts des interventions non consenties qui sont la première priorité, c'est la priorité pragmatique. Et même si plusieurs d'entre nous nous sentons ni hommes ni femmes, ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde, l'obtention d'une reconnaissance d'un troisième genre, ça, c'est quelque chose d'extrêmement secondaire et ce n'est pas ça qui va faire que demain matin, les interventions vont arrêter
Et alors que nous, ben c'est ça. Dans un scénario idéal, on voudrait que ça arrête demain matin de façon très pragmatique. Et en plus, ben, on opère dans un contexte où on n'a pas beaucoup de ressources, je dirais même des ressources humaines, des ressources en tant que... C'est très difficile de se politiser comme personne intersexe pour un ensemble de raisons que je n'ai pas la possibilité d'exposer présentement. On est dans un contexte où nos réalités sont méconnues. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont compréhensibles et audibles ou intelligibles, et que même la violence qu'on subit, elle est difficilement intelligible. Quand on parle de violence médicale, ça choque. on se trouve à opérer dans un contexte où on n'a pas de soutien psychosocial. On est laissé à nous-mêmes pour essayer de guérir nos blessures. Où on doit faire pour les personnes qui ont le privilège d'avoir suffisamment d'argent pour avoir accès à des psychologues ou des thérapeutes, mais on doit faire leur éducation. Je pense que, là, un des défis, ça va être de soutenir les mobilisations pour favoriser la construction de capacités, puis le faire de façon flexible, un peu comme Astraya. Dans le fond, Astraya est une fondation qui est assez sensible aux enjeux particuliers des personnes intersexes, des groupes intersexes, donc qui va être compréhensible du fait qu'on n'a pas énormément de ressources, que beaucoup d'entre nous sommes très près du burn-out. ça facilite. Et un des défis, je vais faire un dernier écho par rapport à l'importance de collecter, de colliger des données. On y adhère à cette importance-là comme personne intersexe, mais un défi unique, un défi particulier auquel on fait face, c'est le fait qu'on se trouve dans une position de tutelle. On est un peu sous tutelle par rapport à la médecine. Et pour pouvoir produire ces données-là, souvent, il faudrait passer par les médecins. Pour nous, ben, les médecins, règle générale, sont très défensifs et ont tendance à conforter ou confirmer leur pratique. On n'a pas possibilité, même avec la structure du financement telle qu'accordée au Canada, on n'a pas la possibilité de mener nos propres enquêtes. Ça vient très difficile de produire des données probantes, à large échelle. Déjà pour ça, pour le fait que c'est difficile de reconnaître sa trajectoire comme étant intersexe et ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup. Je réalise qu'on a un petit peu de retard, mais c'était un peu attendu. Vous avez apporté des propos tellement importants. On a parlé de la décolonisation, de l'autodétermination. Et j'aimerais permettre à Madame la ministre et à Victor de répondre à une dernière question tout en réfléchissant à toutes ces réflexions. Comment les gouvernements peuvent-ils mieux soutenir publiquement les avancées en matière de droits humains LGBTQI et dénoncer les violations de ces droits sans mettre ces communautés plus à risque? Ça ramène aussi au propos de Solange. Donc, Madame la ministre et ensuite Victor pour un petit mot avant d'ouvrir les questions publiques. Bien sûr. Merci. C'est vraiment une question importante et je crois que Solange a souligné un des enjeux pourquoi c'est important parce qu'on devrait, comme j'ai mentionné dans ma dernière réponse, assurer que nous sommes sur la même voie que les acteurs locaux et la société civile locaux. Pour le Canada, nos efforts sont vraiment basés sur deux voies. Le premier, c'est de l'activisme que nous faisons au niveau international dans une manière plus générale pour soutenir les droits de la communauté LGBTQ2I, assurer que nous sommes une voix forte pour la protection, pour l'accès à la plénitude des droits humains de toutes les personnes et reconnaître vraiment que les gouvernements ont un droit de protéger toutes et tous leurs citoyens, incluant les communautés LGBTQ2I, et aussi dans une manière de gouvernement à gouvernement dans nos interactions bilatéraux. Aussi, nous faisons des démarches et nous parlons directement avec les personnes qui prennent les décisions. Mais aussi, notre approche est vraiment basée sur la protection et guidée par les acteurs locaux et d'assurer, c'est comme une approche « do no harm ». Non, pour assurer que ce que nous faisons
ne mettent pas en danger les personnes avec qui nous voulons aider et protéger. Alors, je me souviens d'une voyage que j'ai fait à Honduras quand j'ai eu une rencontre avec des activistes de la communauté LGBTQI et l'objectif était de les entendre. Qu'est-ce que le Canada pourrait faire pour vous aider? Comment est-ce que nous pourrions soutenir vos actions? Comment est-ce que c'est comment les approches que vous pensez va être d'assistance à vos objectifs et vos buts? Et nous avons eu cette réunion en privé, c'était secrète, basiquement pour assurer la sécurité de ses propres activistes. Ça, c'est vraiment comment le Canada voit notre rôle, de comment nous, comme gouvernement du Canada, pourrions travailler sur ces deux voies, sur la scène internationale, mais aussi en soutenir les activités et les objectifs et les buts des activistes locaux dans leur propre contexte. Très bien, merci. Victor, mot de la presque fin. Merci Anne, et je tiens certainement à remercier vraiment beaucoup Diane, Yannick, Solange, la ministre Gould pour toutes leurs idées et les informations tellement importantes que vraiment je prends beaucoup au cœur parce que je pense que c'est important d'avoir aussi une idée nette de quels sont les enjeux au niveau local dans tous les contextes, évidemment en incluant le contexte canadien. Et je voulais seulement dire deux mots au sujet de ces interventions-là. Premièrement, que je suis très intéressé à toute la question de la compréhension du colonialisme comme une dynamique de pouvoir finalement très dynamique, que ne doit se voir seulement dans un contexte très traditionnel, les grands mouvements colonialistes, mais comme bien le disait notre collègue, aussi dans le contexte même des États et des peuples. Je pense que ça va être très intéressant. Anne, je tiens à vous raconter que je prépare un rapport pour le Conseil des droits humains en 2022 qui va viser sur cette question particulière. Mes rapports de 2022 vont être sur la question du colonialisme et l'impact du colonialisme dans la construction des mœurs qui visent, évidemment, qui ont une influence dans la violence et la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre, et la religion aussi. C'est mes deux rapports de l'année 2022. Et je compte déjà sur une vraiment active interlocution avec les organisations vives du Canada en ce qui concerne ces deux rapports, parce que je sais qu'il y aura beaucoup à parler sur ce sujet-là. En ce qui concerne la thématique intersexe, moi, je me considère un allié de la communauté intersexe. Évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup de différentes positions en ce qui concerne si mon mandat couvre la question intersexe ou pas, et ces positions viennent de l'activisme. Alors moi, je suis toujours à l'écoute de savoir exactement qu'est-ce que je peux faire pour savoir. Hier, je parlais à un panel justement convoqué par la communauté intersexe où j'ai exprimé le point que ce qui est fondamentalement important pour les États et pour les activistes et même pour mon mandat, c'est assurer que quand on inclut le « i » dans notre travail, c'est parce qu'il y a une connaissance et une délibération nette sur les raisons pour lesquelles on est en train d'exprimer une thématique I et pas une inclusion automatique comme malheureusement je le vois tellement de fois dans le domaine de travail où je m'exprime. Alors j'ai beaucoup apprécié que ce point soit fait parce que je le considère d'une importance fondamentale. Anne, en ce qui concerne le guide aux États, dans mon travail de COVID-19, j'ai arrivé à un cadre que j'ai proposé aux États membres des Nations Unies. C'est un cadre qu'en anglais, c'est un recours qu'on appelle les lignes guides ASPIRE. En français, en fait, l'acronyme ne fonctionne pas tellement bien.
c'est finalement une série de consonants. Mais c'est six principes que j'ai recommandé aux États de suivre, que je pense que sont importants dans ce contexte-là. C'est la reconnaissance du fait que les personnes LGBT sont partout et qu'elles sont durement touchées par la pandémie. Deuxièmement, soutenir le travail de la société LGBT, dirigée par des personnes LGBT ou servant des personnes LGBT et des défenseurs des droits de l'homme. Troisièmement, protéger les personnes LGBT contre la violence et la discrimination dans le contexte de la pandémie. Quatrièmement, avoir compte, prendre note du fait que la discrimination indirecte, c'est un risque réel, est important. Il y a beaucoup de mesures qui ont été désignées et mises en œuvre sans participation des communautés LGBT. Et même si elles n'ont pas l'objectif de discrimination, elles finissent par avoir un effet discriminateur parce qu'elles n'ont pas été désignées ayant en compte les réalités des communautés et des populations LGBT. Cinquièmement, la représentation des personnes LGBT dans le processus de conception, mise en œuvre et évaluation de toute mesure spécifique de réponse et récupération de la pandémie est essentiel, refléter leur voix est essentiel. Et finalement, je retourne au point de départ, des preuves concernant l'impact de COVID-19 sur les personnes LGBT doivent être recueillies. On doit suivre les bonnes pratiques en matière de données et vraiment éliminer toute action qui pointe point de départ dans le préjudice ou dans la préconception, parce que la grande chance va être que toute action qui a point de départ dans la préconception va vraiment aboutir dans des effets discriminatoires ou autrement négatifs dans les communautés et les populations LGBT. Alors, ces six principes que j'ai transmis à tous les États, et je vais présenter le rapport le jour 29 octobre, au sein de la troisième commission de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je pense que c'est un peu ça qu'on doit mener comme principes fondamentaux, guide pour l'action des États en ce qui concerne cette protection. Merci, Anne. Merci, Victor, pour cette feuille de route et des recommandations très claires pour les gouvernements, mais aussi pour la société civile. Donc, on a très peu de temps pour la période de questions, mais heureusement, on va avoir une période de réseautage par la suite. Mais j'aimerais vous inviter, cher public, de poser des questions dans le chat qui me seront transmises. Vous pouvez indiquer votre question et pour qui elle est adressée. Et j'en ai une première pour commencer, mais la personne à qui elle est adressée n'est pas définie. Donc, on va voir s'il y a une personne qui a un souhait très fort d'y répondre. Donc, une question de Paul Jeté. Croyez-vous que de nommer, identifier et aborder les infrastructures sociopolitiques, cisnormatives pourraient permettre de créer un futur plus inclusif des personnes trans, non-binaires, bispirituelles et toute autre personne non cisgenre? Donc, à Monsieur Victor, il y a quelqu'un qui vient de taper dans le chat. Alors, on va y aller avec ça comme premier mot. Parfait. Je me demandais si c'était à moi. La question, c'est pour moi. Je confirme. Mais en fait, ce n'était pas défini. Mais allez-y, puis on va rebondir sur quelqu'un d'autre par la suite. Si on a... et oui, certainement. Mais je pense qu'il prend un effort conscient de prendre ce point de départ. Je le trouve très important et je le trouve comme à la source d'une énorme richesse de tout ce qu'on peut découvrir sur la diversité humaine. Alors, permettez-moi de vous donner quelques exemples. Quand j'ai commencé l'étude de mon rapport concernant la reconnaissance légale de l'identité de genre, je me suis trouvé immédiatement à deux questions de départ qui m'ont été transmises par les activistes au niveau local. Premièrement, l'acronyme LGBT est un acronyme utilisé dans certaines réalités sociopolitiques. C'est un acronyme
que des énormes populations et communautés autour du monde n'utilisent pas. Et on doit reconnaître vraiment que cette diversité se auto-identifie par des points de repère parfois très différents. Et ça a des conséquences très spécifiques. Je parlais hier à un estimable membre de la presse qui me disait qu'il avait travaillé il y a 20 ans dans des questions de refuge, des personnes qui cherchaient de refuge, et quand on leur demandait « est-ce que vous êtes gay, est-ce que vous êtes lesbienne ?», cette personne ne se trouvait pas dans ce point de repère parce qu'elle ou lui ne s'identifiait par ce point de repère spécifique dans leur contexte socioculturel. Même chose exactement avec la diversité de genre. Il y a des énormes populations autour du monde, mon rapport sur reconnaissance légale d'identité de genre l'identifie, il y a les identités Mush à Mexique, il y a les Fafafines du Pacifique, il y a des énormes identités qui ne vont pas vous dire qu'elles sont trans. Elles ont un point de repère dans le binaire qui est complètement différent de ce qu'on conçoit. Alors l'ouverture d'esprit et vraiment l'acceptation de l'énorme diversité humaine que ne nécessairement se voit reflétée par un point de repère LGBTI, peut-être même bispirituel, je m'excuse, est énormément important. Et quand on ouvre son esprit à ça, on se rend compte que on arrive vraiment à une grande diversité. Le grand avantage de mon mandat, et je reconnais là le travail des fonctionnaires étatiques tels que la ministre Gould, c'est que je ne suis pas contraint à un acronyme particulier. Je ne suis pas contraint à l'acronyme LGBT2SQ, mais en général, mon mandat est l'éradication de la violence et la discrimination fondée en orientation sexuelle et identité de genre. Et là, j'ai l'énorme avantage que je peux vraiment me diriger à toute la diversité humaine. Parce que tout le monde, toute personne dans ce monde a une orientation sexuelle et une identité de genre. Et découvrir cette diversité et la qualifier en termes de mots est l'énorme défi de mon mandat que on a la joie, mes chers amis, d'exercer ensemble, finalement. Alors, j'espère bien avoir donné réponse un peu à Anne. Je ne suis pas sûre. Oui, très bien. Maintenant, une autre question de Samantha McGavin. Quelles sont vos pensées sur la question de comment engager le grand public canadien dans la promotion des droits LGBTQI à l'international afin de tisser des liens de solidarité et d'entraide? Sans alimenter des notions racistes des pays du Sud, que l'intolérance est uniquement un enjeu du Sud, ce qui, entre autres, affecte les Canadiennes racisées qui sont perçues comme provenant de ces pays. Peut-être on pourrait demander à Madame la ministre d'y répondre, suivie par Diane. Bien sûr. C'est une question excellente. Et en effet, je crois que c'est super important pour nous comme Canadiens de ne pas refaire des mythes que le racisme, l'inégalité, la discrimination n'existent pas ici au Canada. Bien sûr, il y a des certaines différences ici au Canada, des fois, mais je crois que les derniers mois ont soulevé pour la population en général qu'il y a des grands, grands enjeux de racisme, de discrimination ici au Canada. Et bien sûr, c'est toujours existé, mais peut-être ces derniers mois, la population, le public canadien l'a vu d'une manière plus plus étroite qu'avant. Alors, je crois que il y a une opportunité de parler des enjeux que nous faisons face ici domestiquement, en même temps que souligner et soulever les enjeux internationaux. Et d'avoir une conversation peut-être un peu humble, humiliante, de comment le Canada pourrait travailler ici à la maison et aussi au monde. Et bien sûr, nous avons des garanties de droits humains ici dans ce pays, mais ils ne sont pas toujours réalisés.
Alors, comment est-ce qu'on pourrait avoir cette conversation? Et je crois que cette initiative Agiri que je venais d'annoncer aujourd'hui, c'est un bel exemple de comment nous allons travailler avec la société civile, avec les activistes des droits humains ici au Canada pour travailler sur les droits humains à l'extérieur. Je crois, et j'espère que je ne suis pas trop naïf, mais je crois vraiment qu'au Canada, il y a beaucoup plus de gens qui sont acceptants de la communauté LGBTQ2I qui ne les acceptent pas. Alors, je crois qu'il y a une opportunité et un point de départ pour parler pourquoi c'est important. Même les gens qui peut-être n'étaient pas trop acceptants de la communauté LGBTQ2I ici au Canada. Quand ils ont quelqu'un dans leur propre famille, quand ils connaissent quelqu'un qui est proche à eux, beaucoup de fois, ils changent leur idée parce qu'ils viennent de connaître quelqu'un qui est proche à eux et ils changent comment ils réactionnent dans une manière publique et politique. Alors, peut-être que je suis quelqu'un trop optimiste, mais je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités d'avoir cette conversation publique. Je crois que plusieurs personnes n'accepteront pas les injustices qu'ils voient. L'exemple que Diane a soulevé au début de la femme qui a souffert des injustices incroyables, de le racisme affreux dans le système médical. Je crois que plusieurs personnes, ça les a ouvert les yeux d'une manière qui peut-être ils ne voyaient pas avant. Et alors, je crois qu'il y a un moment de justice sociale maintenant au Canada ou qui peut servir de point de départ pour parler, améliorer la situation ici au Canada, mais aussi de parler de pourquoi nous devrions faire ce travail à l'international aussi. Merci, Madame la ministre. Diane, 60 secondes pour un dernier petit mot avant de passer à l'hommage à Charlot jeudi. Je dirais oui, c'est vraiment qu'il y a une différence entre les droits qu'on a ici au Canada et en fait les actions sociales qui sont là, qu'il faut vraiment penser, qui sont différentes des fois. L'injustice sociale est là et existe, c'est bien vivant au Canada. Il faut défaire cette image du Canada comme étant différent dans leur approche, que ça demande vraiment cette période d'inconfort. Hein, quand on se regarde dans le miroir, pas être capable de dire oui, on fait ci, mais il y a ça. Il faut vraiment accepter ce mécontentement avant de procéder et de changer les choses. Alors, le racisme existe au Canada. Il y a des gens qui sont racisés, mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas, à cause de plusieurs raisons, vivre ouvertement ou en confort et en sécurité, même au point où on est dans des services sociaux ou des services hospitaliers et on ne reçoit pas les mêmes droits et services qui existent en général et qu'on dit qui existent en général au Canada. Alors, c'est un point de départ, c'est d'accepter ce point de méconfort pour être capable de poursuivre et développer. Merci, puis je suis certaine que Yannick et Solange auraient énormément à rajouter, puis je suis vraiment désolée, mais j'aimerais vous remercier très chaleureusement, mes chers panélistes, et j'aimerais inviter ma collègue Élise Voyer, chargée de programme principal à Equitas, pour l'hommage à Charlot jeudi. Merci Anne, merci aux panélistes pour cet échange vraiment très riche. C'est un grand honneur pour moi d'introduire cet hommage à mon ami Charlot. Charlot jeudi est un grand défenseur des droits humains qui a collaboré avec Equitas pendant près de 10 ans et qui malheureusement a été retrouvé mort chez lui en Haïti dans des circonstances non élucidées encore il y a bientôt 1 an. J'ai eu la chance de travailler avec Charlot lors de la mise en œuvre d'un projet d'appui au mouvement LGBT en Haïti.
Charlot était un leader inclusif qui ne connaissait pas le repos, d'une grande humilité et entièrement dévoué à sa communauté. Charlot se disait un défenseur des droits humains parce qu'en Haïti, comme on le sait dans bien d'autres endroits à travers le monde, la communauté LGBTI est laissée à l'écart des droits humains. Charlot s'est inclus dans le mouvement des droits des femmes, des droits des paysans et paysannes, des droits des personnes vivant avec un handicap, parce qu'il avait compris que sa communauté se trouvait partout, en fait. Il disait que les droits humains ne sont pas un buffet. On ne peut pas protéger certains droits et pas d'autres. Il réclamait donc le droit au respect, ce respect qui est dû à toute personne en sa capacité d'être humain. Pour cet hommage, on voulait souligner l'héritage laissé par Charlot, sur lequel Équitas s'appuiera pour poursuivre la lutte pour le respect des droits des personnes LGBTQI2+, en s'inspirant de son exemple. À travers l'organisation Égide également, Charlot pourra poursuivre son travail. Il a été membre du premier conseil d'administration d'Égide et a contribué à la construction de cette belle vision qu'est l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. Égide continuera par ses actions et son travail à honorer et à perpétuer sa mémoire. Pour lui rendre hommage, nous avons parmi nous la présidente de Courage, l'organisation fondée par Charlot en Haïti, Madame Etera Estinfil, pour qu'elle nous parle de l'héritage laissé par Charlot au mouvement LGBT en Haïti. Etera, si tu es là, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Je me sens très honorée de parler aujourd'hui et de rendre hommage à notre collègue bien-aimé Charlot Jeudi. Charlot Jeudi, c'était qui? Charlot Jeudi est connu comme l'un des pionniers du mouvement LGBTI en Haïti, père et fondateur de l'organisation Courage pour protéger le Wamou via une institution de droits. Après sa mort, on a beaucoup parlé de lui sur des différents médias, mais on va tous se mettre d'accord, il était un grand homme et il ne doit pas être oublié. Je vais vous parler du Charlot qui bien souvent n'est pas mis en avant. Je vais vous parler de l'ami, du frère, du père. Si un mot pouvait décrire Charlot, ce mot-là serait accessible. Charlot était toujours disponible de jour ou de nuit et on ne pouvait pas lui parler. On pourrait lui parler de n'importe quel problème. Allant des problèmes personnels ou problèmes professionnels, bien qu'étant une figure majeure et incontournable de la communauté LGBTI, Charlot était le Charlot de tout le monde. Les membres de la communauté LGBTI aussi bien que ceux qui ne faisant pas partie de la communauté. Dès que membre de la communauté avait un problème, on lui disait « Appelle Charlot ». Charlot aidait comme il pouvait. Nombre de jeunes ont pu payer leur loyer ou suivre leurs études grâce à lui. Et ceci sans compter la plupart des employés du bureau ont été employés par lui. Est-il nécessaire de parler de Charlot sur le plan professionnel? Pour moi, je pense que Courage et ses nombreux partenaires en tant que nationaux et qu'internationaux prouvent que c'était un professionnel qui savait mener son combat. C'était un amoureux des droits humains et n'importe quel membre de la société civile qui le connaissait pourrait en témoigner. Charlot voulait qu'Haïti soit un état de droit. Il disait toujours qu'un soldat à terre ne peut pas terminer une bataille. Et étant quelqu'un de prévoyant, il formait des pépinières et il leur demandait toujours de former d'autres pépinières à leur tour. Voilà pourquoi Courage, en tant qu'institution, tient debout et restera toujours debout. Charlot est incroyable. Je dis bien est et pas était, parce que de par la personne qu'il était et de par la manière dont il a vécu, il est devenu immortel. Une icône,
On ne peut pas parler de lois humaines sans mentionner le nom de Charles Roger. Merci. Merci, merci beaucoup. C'est avec cet hommage qu'on a le rappel que ce panel aujourd'hui, ce ne sont pas des débats théoriques, mais vraiment des causes personnelles, un travail important politique. Donc, j'aimerais remercier chaleureusement nos chers panélistes Solange Moussangania, Diane Labelle et Jeannick Bastien et Charlebois, ainsi qu'à nos invités d'honneur, Victor Madrigal-Borlas et l'honorable Karina Gould, pour cette discussion riche et qui suscite une réflexion profonde. Les effets d'une crise, qu'ils soient économiques ou sanitaires, sont amplifiés chez les groupes les plus vulnérables, dont les personnes LGBTQI, qui font face à des risques et des dangers encore plus importants. En donnant à Equitas, vous pourrez appuyer l'autonomisation des communautés LGBTQI, ainsi que les efforts des défenseuses et défenseurs des droits humains, afin qu'ils puissent mieux protéger et revendiquer leurs droits. Si vous souhaitez donner, vous retrouverez le lien dans la boîte de discussion et que vous recevrez également par courriel. C'est afin de soutenir la mission d'Equitas, de faire avancer l'égalité et les droits humains au Canada et à l'international. Comme je vous l'ai mentionné, ce n'est pas encore fini parce qu'il y a encore un appétit pour poursuivre notre discussion avec les panélistes. Entre nous également, et j'aimerais vous inviter donc à participer à cette activité de réseautage. Si vous êtes déjà inscrit pour l'activité de réseautage, vous avez déjà reçu le lien Zoom pour y accéder. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits, accédez au lien dans le chat pour vous inscrire. Vous devez alors quitter cette salle de conférence et vous reconnecter via le nouveau lien Zoom. Et vous serez alors repartis au hasard dans de petits groupes pour discuter de la session d'aujourd'hui et rencontrer d'autres personnes intéressées par le sujet. Un petit rappel, les comportements, propos offensants ou discriminatoires ne seront pas tolérés lors de l'activité de réseautage. Et pour votre information, l'événement de réseautage ne sera pas enregistré. Pour faciliter les échanges entre les participants et participantes, nous proposons une première question pour lancer vos débats. Sur la base des défis et opportunités présentés lors des Equitax d'aujourd'hui, quels sont les domaines d'action qui correspondent le plus à votre travail ou à vos domaines d'intérêt? Et j'aimerais juste rapidement demander à tous nos panélistes, les invités d'honneur ainsi que Etera, d'allumer votre caméra pour qu'on puisse vous remercier et vous voir une dernière fois avant de fermer le webinaire. Merci beaucoup, mille fois d'être venu. Et d'avoir eu le courage d'essayer cette version d'Equitax virtuelle. À Madame Karina Gould également, merci. Et j'espère qu'on va se retrouver dans le réseautage. Au revoir. Au revoir. Au revoir.